21 décembre mandat Ariel fini. Par contre, vous comprenez. On est guidé d'où par reconnaître, ou yon femme guidé d'où par reconnaître encore 21 décembre. Okay. Ou tu vas reconnaître lui. Quand je dis à la bonté, j'ai un dessin. Ou après l'argument pour dire mandat Ariel fini. Suivant à quoi ça? Suivant à quoi ça? Regarde les politiques qui ont fait tout ça. Politique la dynamique. Regarde les politiques qui ont fait. Mais nous autres, même si on a parlé de moi comme journaliste particulièrement, nous t'es questionné ou bien t'es mettez en doute des matchs là, mais comme journaliste, nous t'es noté que son document officiel qui était publié dans Le Moniteur et chaque allié Ariel Henry qui prend la parole, l'aime demander pour un accord global qui implique toute force vive pays pour ne pas adresser une série de problèmes. N'est-ce pas dit si en face là pas d'accord, si l'autre protagoniste est intransigeant, si yo sur l'accord de règle, il n'y a pas avancé conformément à ça qui dit dans l'accord 21 décembre. Et chaque fois, monsieur te voulait justifier mandat Ariel, ni comme contenu, ni comme durée, il aura encore 21 décembre. Donc ça veut dire qui ça? Avant encore 21 décembre, tout le monde a posé question qui le mandat Ariel a fini et qui ça mandat Ariel gagne comme contenu. Mais selon les alliés du pouvoir, les signataires du dit document, à partir de l'accord 21 décembre, débat est fermé. Parce que tout ça, il a fait selon les clauses de l'accord du 21 décembre. Voilà, dans l'accord 21 décembre, il était prévu pour élection organisée fin année ça, et que pour Ariel Henry, Baïma est là, à un gouvernement légitime, à un président élu. Maintenant, pour quelle que soit raison, on ne peut pas avancer, un fait certain, pas gagner élection. Donc, si pas gagner élection, la grande question qu'on a, c'est qu'on a posé tête nous. Nous avons posé tête nous. Est-ce que nous allons dire, bon, comme pas gagner élection, nous avons fait Ariel Henry font 2 ans encore pour le boucler mandat 5 ans là, puisque son mandat présidentiel lui-même vient jouer là, ou bientôt, nous avons dit, bon, après 2 ans et quelques mois, Ariel prouvé incapacité, incompétence, donc nous avons obligé retirer monsieur, mettre l'autre monde. Mais le combat qui préoccupe qu'on y a, quels sont les mécanismes pour remplacer Ariel Henry? Qui est le mécanisme pour remplacer Ariel Henry? En tweet. Est-ce que nous avons entendu ces corps groupes là qu'on y a là qui, dans toute composition, chiton côté non-chambre, et puis ils décident de faire un tweet, ils disent désormais, mais qui est-ce qui est premier ministre? Est-ce que ces classes politiques là qui prennent. Antonio, ce que je connais qui est impossible, parce que je me rappelle que la dernière fois que la politique a été entendue pour de bonnes causes, qui va dire que je suis côté où je aller, ou bien est-ce que c'est un ministre dans le gouvernement qui va l'assurer intérimaire en attendant que nous décidions sous son nom. En tout cas, il y a Claude Joseph et du parti ED qui lui-même salue courage, Madame Maniga, qui dit Maniga, et nous comptons sur vous pour aider nous. Pour aider nous dans la bataille. Pour remplacer Ariel là. Pour créer vide. Bon, moi je dis remplacer Ariel, mais il n'y a pas les gros français. Gros mots latin. Mais on y a assez dit, on dit madame de Blalba et Goudet. Claude de qui n'a font une qui gagne PHTK qui est OPL, n'a pas rappelé l'iné Balthazar du PHTK, c'est un homme qui gagne dans le cité ou bien qui vous voyez. Si tu papier t'es brûlé dans le cadre de la là baba. Monsieur d'accord à toi, monsieur signe tout. Ah, pas d'accord. Non, nous n'en font ni au même. Ah, ok. On revient. Ok. Donc, on y a là, qui sa mécanisme n'a pour remplacer Ariel? Montana lui-même, rete ferme avec proposition lui. Il est toujours quoi que son collège présidentiel, qui pour venir mener bac PIA, avec 5 membres, et puis il a décidé entre eux qui est ce qu'a président conseil là, un représentant de la diaspora, un représentant de la classe politique, un représentant de signataire résolution Kingston, un représentant de Montana, qui est encore fait 5 ans. Et puis, il y a un comité qui pour mettre sous place. Le comité a 7 membres, qui a gagné université, paysan, femme et latrier. Ce comité n'a pas choisi pour le ministre. Et qui va choisir tout le monde qui pourrait faire partie du cabinet ministériel. Là. Il a parlé tout d'un organe de contrôle, un créole. Même ça, Mirna Dab dit jodi à la. Est-ce que si vous posez Pasteur Calix Fleuridor, même question, la même réponse là, puisqu'il a parlé dans nous à CTA tous les deux.
point de dérogation. Est-ce que si vous posez Laurent Cécile du secteur privé des affaires, la baille même réponse, yo, point de dérogation. Sauf que, si vous posez une question de manière personnelle, Grégory Lubin, m'a dit, moi plus senti, pasteur Calix Fleuridor qui allait dans le même sens à Mirland que Laurent Cécile. Et pas même forcément qu'on est dans la République. Mm-hmm. Ça, c'est compréhension, Pam. Mm-hmm. Moi plus pensé, pasteur Calix Fleuridor qui allait dans le même sens à Mirland que Laurent Cécile. Qu'on y a là, nous avons demandé, mais intelligemment, ça fait, me dit ça. On prend une dernière note que ACT a sorti sous kidnapping secrétaire général conseil là, c'est Virginie Saint-Pierre. Oui, qui est libéré. ACT a gagné 3 membres. Combien de monde a signé? C'est 2, c'est Mirland, et puis c'est pasteur Calix Florido. Est-ce que son choix, est-ce que son hasard, pas qu'on est. Mais ça attire l'attention. Mais deuxièmement, la République. Monsieur Laurent Cécile, qui représentait le secteur privé au niveau du HTT, monsieur, selon les informations, plus proche Ariel Henry, dans ACT que l'autre deux membres. Ça veut dire ça. Demain matin, si blanc t'a demandé Ariel Henry, vine nous réunion, faire accompagner dans le dans ACTA, presque certain à 1000%. Les papes ni Mirland Baniga, les papes ni Pasteur Fleur, et comment le nom Fleuridor. Presque certain. Presque certain, le pape ni yon ni l'autre dans le monde. La Laurent Cécile. Et nous mettons écrit samedi à la, on joue bien l'autre dans la raison. Gon frange dans le secteur privé, ou même pas dit tout secteur privé. Bon frange là-dedans. Qui vient contrôle Laurent Cécile, tout au moins Laurent Cécile, très proche, son frange dans le secteur privé qui achète Figi Ariel en pile dans le moment là. Bon, si on veut la vie, démentir. L'homme dit acheter Figi Ariel en ria, si Ariel veut, il a dit, attendez, nous avons fait gauche aujourd'hui, il a fait gauche avec elle. Il a dit, nous avons fait droite, il a fait droite avec elle. Qu'on a demandé pour qui ça. Et pas parce que vous aimez Ariel comme ça. Il y a parce que vous aimez forme tête Ariel comme ça. C'est pas parce que Ariel tellement bien géré le pays comme ça. C'est pas parce que Ariel tellement bien défend l'intérêt comme ça. Raison simple. C'est parce que cette frange du secteur privé des affaires dont je vous parle, yo peut sanctionner, yo croit, yo convaincu que Ariel Henry gon rôle li jouer dans série sanction sa yo international là apprend contre en série personnalité des élites politiques et économiques. En y encore non va. Si blanc a demandé Laurent Cécile comment relation ACTI avec Primature, par exemple, Laurent Cécile dit bon bagaille, relation harmonieuse, très cordiale, très respectueuse, très mutuelle, bye. Par exemple, donc ça, important, oui, et je voulais noter ça. Bon frère dans le secteur privé des affaires là qui croit que Ariel bon rôle li jouer, Ariel bon genre li ka influencer, yo croit ça, m'a dit si c'est la vérité, mais yo croit ça. Li ka influencer sanction yo. Et gen nèg ki pè sanction. Et m'a dit non bay matin la République. Si m'te dans place d'Ado Diwayes, m'ta dit ti John coupé ça, m'a dit Junior avec Élisée coupé ça. Pour ki pè pièce nèg, pièce femme k'ap vinn parler nan radio, k'ap vinn minimiser sanction yo. Sanction yo affaibli tout moun nou sanctionné yo. Et gen pile nèg ki pè sanction yo, gen pile nèg k'ap soufri à cause sanction yo, et gen nèg jodi a poko konnen si y'ap nan liste ou pas ki a joué le tout. Pour nous, pas là. Donc, ça veut dire, sanction de la République comme ça, c'est peut-être son étape par rapport à ça, espéré. Mais qui te dit nous ça? Et ceci, à qui veut l'entendre? Sanction, il y a toute sanction, il y a une peu sanction. Parce que moi, je connais ancien parlementaire qui sanctionne là. Monsieur, pas dormi, non, parce que, compte n'est pas bloqué, conseil de transaction n'est pas faire, même sous nos petits, même sous nos madame, il n'y a pas de business. Non? Et il y a des gens qui pas fait confiance. Il y a des gens qui ont pas mal à faire, qui étaient proches, et qui ont été en yon en difficulté. Donc là, on a jasé, a déblaté dans la radio, a dit rapport bidon, ceci, cela. Le voilà encore 21 décembre, monsieur Damio. Mondana retourne à Vel, qui va contrôler l'action gouvernementale, et il a parlé d'une transition de 18 à 24 mois. Donc ça veut dire, deux ans et quelques mois, Ariel Lala,
jusqu'à présent, nous pouvons jouer dans la transition. C'est un ballon de sec qu'a fait. Vous comprenez? C'est un mouvement de mise en train qu'a fait. Et ça, Blandi. Quand y a là, pour nous finir net, Ariel Henry, même son paquet de politiciens qui sont arrivés à accéder à plus haut niveau dans l'État, ils ont toujours à jouer sous lui. C'est le temps. Maron Zema qui avait lui au lit trop, Maron, bon gens, il a joué sur le temps. Mais c'est ça, moi, je me connais. En Haïti, au café, toute prévision, voilà. Au café, toute analyse possible, toute projection, voilà le mot. Et puis toujours mon élément surprise qui paraît, qui chamba de toute bagarre dans moi. Par contre, je comprends. Le fuck docteur Ariel Henry comprenne, il va mettre tête li. C'est pas lui qui décide de rester là. Donc, à n'importe moment, Blanguin doit embarrasser avec elle, il doit considérer comme un colis, encombré, par contre, ça veut dire. Et puis, il décide de dire, mon cher, après 2 ans, et pas un excès, il nous là, même plan, nous même agenda dans nos arriver de n'appliquer, mon cher, retirer corps, bon, basé. Mais sauf que moi-même, m'attend, toute nègre, toute femme qui te signé, accord, 21 décembre, à qui courage, yo même qui t'a défendu accord, pour yon pralvin, dis comme ça que, Ariel Henry doit rester au-delà du 7 février 2024, alors que dans Akoa, il y a écrit noir sur blanc, à partir du 7 février 2024, mandat Ariel fini. Et si dans mes à partir du 8 février 2024, je ne dois pas jamais mourir Ariel pour le ministre encore. Et parce que je fais chèvre, je propose intéressant, non? Et parce que tout simplement, M. Damiogon a quoi aussi, il a publié dans le moniteur qui te dit à partir du 7 février 2024, Ariel Henry, pas pour le ministre. Il a souffri. Les politiques ont peur de sanctions. Pas les sanctions affaiblies. Les secteurs privés ont peur de sanctions. Donc, pour me retourner, écoutez, je tape par la question là, sous question position mis en dedans. Est-ce que le fait unanimité en dedans au conseil là? Je ne pas fin certain. Je ne pas fin certain. Et me dit qu'on s'assigne au monde qui a partagé même position à Milan, à mon sens, il relève pasteur Fleurido. Pour le recenser là, il y a un gros doute. Maintenant, pour nous retourner sur cette échéance du 7 février 2024, nous avons opposition, hein, commencé à fou bizamni, guerrier du seul. Opposition a commencé à préparer là pour faire des sorties. Après, au fin de créer fonds unis. Et DPHTK, OPL et autres. Et Montana, nous pas tant de quelques temps, il est en sortie là, dans le mois d'octobre là, il est en présenté qui sa mécanisme doué pour capable remplacer Ariel le 7 février 2024. Et Simkwe Gazette Haïti, il dit sorti Madame Mirland Hippolyte Maninga, il crée panique au niveau du gouvernement. Parce que mon gouvernement a fait beurre, qui commence à dire paniquer. Je salue fusion, soutien ça. N'importe gouvernement sérieux qui vient dans le pays a demandé pour un audit qui fait sous MTPTC. MTPTC comme ministère avec tout ça en balle. Comme organe. Je salue fusion, soutien ça. Je dis que ça, le ministre. Travaux publics a été installé. Il t'a tremblé. Il dit qu'on y a M. Jamba Zegar et un garçon. Il dit M. Frey, M. salue, M. Vous comprenez? Il y a des gens qui t'a fait beurre pendant toute cette histoire. Il a commencé à paniquer. M. salue, M. ministre de planification. Il y a des gens qui saluent toujours. M. salue, chef cabinet Ariel. Je vais diriger le pays. Vous voulez me saluer toujours? Pas faire ça. Je suis Saturné. Bon chef cabinet, papa. Opposition commence à foubi, Zamio. Saturné, Gabriel, je dirige le pays. Je dis, mon chef cabinet, ça a gagné plus pouvoir qu'Ariel. Bon, Ariel a une tête. Donc, non, ton qui pis sérieux, opposition a foubi, Zamio. Parce que n'ayez quoi à faire Ariel là le 7 février 2024 a fini. Mais avant de dire, même si c'est politique qui a fait, on est une femme qui tape
critiqué à quoi 21 décembre non mais tu rejeté le revers de main qui dit pas reconnaître ba ça je dis à l'anti j'ai un dessin hein? Pour ce qui vient dire selon clause accord même papier pas moi te dit c'est la présidente du conseil qui te dit ça même papier ou pas gagné même matériel de bureau ou pas gagné voir puis tu as un budget par contre tu comprends après ça après le gagner diligence qui fait ils mettaient plusieurs millions goud à la disposition jusqu'à ce que seule grande activité et ils ont organisé son forum ils organisé pour nèg qui était signé encore femme qui était signé encore va le manger elle va être payer rien plusieurs millions goud débloqués militants à faire des blousons en l'air etc. Après ça à cette va être rien donc est-ce que je dis à madame Mirland Hippolyte Manigarin dit que le bateau a coulé et que lui-même faut le sauver tête après cette grande carrière, il est obligé à faire des sorties comme ça, ça. Point d'interrogation. Est-ce que tout, tu as des promesses? Attendez bien, oui, Gregory Lubin. Est-ce que tu as des promesses qui ont été faites au Conseil de transition hein, qui n'ont pas respecté? Ok? Promesses, ça, yo, comme d'habitude, Ariel Pakembe, yo, et madame, rendez compte que 7 février 2024, c'est demain matin. Et bien, aucune façon pour vous mettre sur respect encore, lui dit animal normal, normal net, puisque le connaît, la partager actif et passif Ariel, depuis l'elle était accepté rentrer dans le conseil ça, et puis il dit, ok, bal sauver tête li devant l'opinion. Est-ce que c'est ça? Par contre, vous comprenez, non? Question à poser, nous pas forcément qui réponse. Est-ce que tout, madame n'a pas un l'aime dit madame n'a pas un là, vous va me connaître. On imagine 7 février 2024, Ariel Henry, pour une raison bien pour l'autre, pas premier ministre encore. Et puis international, là, qui lui-même a décidé pour nous, dit ok, on a expérimenté exécutif bicéphale à des têtes là. On va me connaître, t'as l'air là, y'aura les Milan Hippolyte Maniga président. Red. Et pas oublier, s'il te gagne des comportements comme ça, face à Ariel, pendant le temps de la CTA, il est capable de peser l'eau dans la balance pour jouer un support. Opposition ou bien classe politique là. Si analyser n'a pas analysé, n'a pas forcément gagné donné. Par contre, vous comprenez. Donc, madame n'a pas essayé de positionner le tout. Parce que même là, nous, madame, sous petit bâton, m'a voulu comprendre qu'elles sont novices souvelés dans la politique. C'est une ancienne première dame, son nom est en élection qui est élue comme sénatrice. Vous comprenez, qui était dirigeant gros parti. Ancien professeur, Leslie François Saint-Roch Maniga lui-même décrit. Donc, elle n'est pas née de la dernière pluie politique. Expérience pâle, mettez avec ensemble conseiller, il y a des choses probablement qui doit concocter. Madame dit, ah, je vais aller là d'ici 7 février 2024 pour voir qu'elle arrive. Top international là dit, bon, on a expérimenté bicéphale là après 2 ans de monocéphalie. Bon, on regarde. Maron sous comprenne. Et bien, il dit bon, à défaut du président de la Cour de cassation, si nous avons les plus proches constitutions, madame n'a déjà là dans la tête à CTA, on doit installer le palais national. On va vous connaître. Tout le monde est possible. Maintenant, une deuxième question, nous avons posé tout, guerrier du seul. Est-ce que la position de Mirland Hippolyte Maniga, c'est aussi la position des 2 autres membres du Conseil? Ça fondamental, lui, guerrier. On m'a dit doit expliquer, vous dit comme ça. Bon, c'est la présidente qui a parlé, donc il a engagé tout le conseil là. Mais attention, hein. Ah, pas oublier, conseil là, il y a dans le 3 membres. Et à titre de rappel, madame, monsieur, il y a madame Mirland Hippolyte Maniga, qui joue le rôle présidente là et qui représente le secteur politique là. Il y a pasteur Calixte Fleuridor. Et il y a M. Laurent Cécile, de M. Sayo, représentés respectivement secteur protestant avec secteur privé des affaires là. Est-ce que la position de Mirland Hippolyte Maniga Jodia au nom de ce conseil, c'est aussi la position exprimée par les cieux pasteurs Calix Fleuridor et Laurent Cécile?